Donc bonjour et bienvenue chez Boulard Musique. Aujourd'hui nous allons vous présenter la Gibson Collector Shoes Yes 11. Donc elle est surnommée Rosie. À mon avis, par rapport à toutes les Gibson Collector Shoes que j'ai pu essayer, celle-ci est plus smooth. Pas plus jazz, mais plus smooth, plus rond, surtout au micro grave. Elle est composée de deux micros Anico 2 qui ont été choisis pour aller parfaitement avec cette guitare. Avec une superbe table flammée, un manche type 59, pas très gros, pas très fin, super agréable au toucher. Donc, je vais vous faire voir les sons des trois positions, grave, médium, aigu. C'est parti, micro grave. Les deux micros. Micro aigu. Cette deuxième Collector Choice, c'est le modèle Dies 13 avec une table légèrement plus subtile, flammée, avec en micro un Anico 3 et un Anico 2. Cette guitare est un peu plus ronde, plus rentre-dedans que la Rosie. Et c'est vraiment un véritable coup de cœur. Elle est disponible chez Boulard Musique. Donc voilà, alors pour vous faire écouter les deux modèles en même temps, j'ai appelé mon ami Christophe et nous allons faire un joli, gentil petit blues. Ah non. Allez, tiens. Alors, une petite précision, lors des tests de la Dies 13 et la Dies 11, j'utilise un ampli Valve et on a utilisé exactement les mêmes réglages de gain, de basse, médium, etc.